Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur le beurre de cacao. Donc en fait, je vais vous donner les propriétés du beurre de cacao et je vous dirai pourquoi, pour moi, c'est un must have. Je ne peux pas m'en passer, c'est un indispensable pour la vie quotidienne. Je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas me passer du beurre de cacao. Donc je vais m'adresser à toutes les femmes qui vont regarder ma vidéo. Nous, les femmes, en fait, on a souvent des petits inconforts, des petites indispositions propres à la femme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, justement, ma solution, quand par exemple, j'ai des règles douloureuses, oui. Et donc, ma solution, c'est justement le beurre de cacao. Je prends une cuillère à café de beurre de cacao et je l'avale. Et aussi, je prends... parce que c'est assez difficile, donc je prends avec une cuillère à café, je racle et je prends un petit morceau, je l'introduis. Donc le beurre de cacao va calmer mes douleurs de règles douloureuses. Et une personne vraiment très proche de moi avait une grossesse à risque. Donc elle attendait un enfant et elle avait des fibromes. Et avec des kystes ovariens, c'est le beurre de cacao, oui, je le dis, et c'est pas une chose que j'invente. C'est le beurre de cacao qui a soigné ses fibromes, qui a soigné son kyste ovarien. Parce que là, c'est franchement un témoignage. J'ai assisté cette personne pendant sa grossesse et justement, le beurre de cacao l'a aidé à tenir bon par rapport aux douleurs. Vous savez ce que c'est quand on est enceinte, déjà il y a des malaises et tout, mais en plus de ça il y a les douleurs du kyste ovarien plus les fibromes, et justement le beurre de cacao a soigné, a vraiment calmé ses fibromes et a soigné ses abcès, ses kystes ovariens. Donc ce qu'elle a fait, parce que je lui ai demandé, elle me disait, parce que chaque fois en fait, je la voyais prendre du beurre de cacao, elle prenait une cuillère, elle mangeait, et puis bon, je n'entrais pas avec elle pour voir ce qu'elle faisait dans les toilettes. Donc en fait, elle m'a expliqué que c'est sa grand-mère qui lui a dit que ma fille, tu as une grossesse à risque, je sais que tu as les fibromes, tu te plains tout le temps des douleurs, prends le beurre de cacao, tu prends une cuillère à café et tu l'avales 2 à 3 fois par jour. Et tu introduis un tout petit morceau dans ton vagin et vraiment ça va te calmer. Et c'est comme ça qu'elle a tenu jusqu'à la fin, jusqu'au terme de sa grossesse et qu'elle a eu, elle a accouché par voie normale. Franchement, ça m'a vraiment impressionné, cette propriété-là du beurre de cacao. Vous savez que quand on est enceinte et qu'on a des kystes ovariens, on ne peut justement pas opérer parce que vraiment, c'est impossible, quoi. Et donc, justement, le beurre de cacao a soigné ces kystes et a empêché les fibromes de se développer parce qu'en fait, d'un côté, il y avait le bébé et le bébé était entouré des fibromes. C'est justement le beurre de cacao qui a stoppé l'évolution des fibromes et qui ont permis au bébé de grandir. Je ne vais pas m'attarder sur le fait que le beurre de cacao soigne les vergetures. Il vous suffit de prendre une toute petite quantité, de chauffer dans vos mains et de masser toutes les parties qui ont les vergetures. Quand vous allez masser, en même temps, le beurre de cacao va raffermir vos fesses. Oui, en le fait justement qu'il gomme les vergetures. C'est cette propriété qui permet de faciliter la circulation sanguine. Parce que vous savez que les vergetures sont causées par la mauvaise circulation sanguine. Donc justement, comme le beurre de cacao active la circulation sanguine, cela va permettre justement de gommer vos vergetures. Et je vais vous parler d'un sujet pas très glamour. Oui, je vais vous parler de la constipation, des hémorroïdes. Parce que oui, tout à l'heure, je vous disais que le beurre de cacao active la circulation sanguine. Et vous savez que les hémorroïdes, oui, les hémorroïdes sont causées par la mauvaise circulation du sang dans les zones concernées. Vous voyez ces zones-là, quoi. Donc, le beurre de cacao va justement soigner les hémorroïdes. Il vous suffit de prendre une toute petite quantité, vous pouvez avaler, bien sûr, ça va calmer des petits tiraillements causés par les hémorroïdes. Vous prenez une cuillère à café de beurre de cacao et aussi, vous faites une application locale, bien sûr. Mettre comme un suppositoire, tout simplement, le beurre de cacao
Et justement, ça va vous permettre d'activer la circulation sanguine. Donc, vous mettez en suppositoire et en même temps, vous prenez une toute petite quantité et vous l'appliquez en massage sur vos hémorroïdes. Et vraiment, vous le faites pendant une semaine et vous verrez les résultats. Tout le monde sait que le cacao est un aphrodisiaque. Ben, n'en parlons plus de son beurre. Son beurre qui est 100% naturel. Hein? 100% naturel. Donc, il n'a pas eu de transformation chimique. Si vous êtes un homme et que vous regardez ma vidéo et que vous souffrez de problèmes de fertilité, ben, n'hésitez pas. Prenez le beurre de cacao, tout simplement. Vous le consommez, quoi. Donc, vous consommez régulièrement le beurre de cacao. Ce beurre lutte contre l'infertilité chez l'homme et chez la femme. Parce que chez la femme, le beurre de cacao débouche les trompes utérines. Et chez l'homme, justement, il va agir de la même façon à l'inverse. Parce que c'est le sexe masculin. Prenez le beurre de cacao, le consommez régulièrement. Et vous verrez que vos problèmes d'infertilité se réduiront de plus en plus et disparaîtront avec le temps. Si vous souffrez de rhumatisme, de mal de dos ou de courbatures, ben n'hésitez pas. Faites des massages avec le beurre de cacao sur les zones douloureuses. Appliquez en massage, justement, le beurre de cacao est un anti-inflammatoire. Donc, il va calmer les douleurs. Si vous souffrez de démangeaisons, ça peut être les démangeaisons des cheveux, du cuir chevelu, ça peut être les démangeaisons sur le corps. Si vous avez la date, si vous avez la teinte, si vous avez la gale, badigeonnez-vous, donc utilisez le beurre de cacao sur votre peau et vous verrez que ces problèmes vont disparaître. Le beurre de cacao soigne également le panari. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Donc, si par exemple vous avez un corps étranger qui est sur votre doigt et qui s'est localisé, qui provoque une infection, vous prenez le beurre de cacao, vous le mettez sur le doigt concerné. Le fait de favoriser la circulation sanguine et en même temps le fait d'être un anti-inflammatoire va permettre à l'endroit, donc au doigt de ce soin. Bref, il va se passer sur tout ce qui concerne la beauté. Donc, si par exemple vous avez des rides, si votre visage, vous avez des plis, vous avez des rides, vous avez des ridules sur votre visage, vous faites pénétrer le produit jusqu'à disparition totale sur votre contour des yeux et sur toutes les zones qui ont des rides, des ridules de votre visage. Donc justement, c'est un antioxydant. Et je ne vais pas m'attarder sur son côté anti-pelliculaire et son côté anti-chute, parce que oui, le beurre de cacao est un anti-chute. Donc si vous souffrez des chutes de cheveux, ça soigne également les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!